idées de solutions réelles, qui sont des solutions qui sont entre les mains du peuple et non pas du gouvernement et des sociétés. On n'est pas obligé de demander la permission au gouvernement et aux sociétés pour faire des changements dans nos vies. On a ce pouvoir-là, nous autres. Mais pour profiter de ce pouvoir-là, il faut être conscient. Il faut prendre des décisions. Il faut être cohérent. C'est ça qui est difficile et c'est ça qui manque aujourd'hui. Aïe, attends-moi, je m'en viens. Bon. T'es à l'œil de tomber.
Attention, attention. Il n'est pas un influenceur. Il n'est pas un gourou. Il n'est pas Gorgnoua. C'est Dan The Rock. Yeah! Bonsoir à tous. Bienvenue en grand nombre. Fait que ce soir, gang, quelques vidéos. J'ai un invité surprise, un chroniqueur, première fois, j'en dis pas plus. J'ai une vidéo avant que je vais faire jouer. C'est correct, parce qu'il est temps présenté. Puis c'est pas grave, on pogne le bout de suite. Mais, admettons dans une autre dimension, il y aurait eu comme un téléthon chez Manifink. Pour la cause de quelqu'un d'autre. Ça aurait pu donner quelque chose de même. Là, là, les astis de Dandarok, là, les astis de fourmis atomiques, les Gorgnoua, tout ce kiris de gang de Mongol, là, les Team Bashing Silver, là, là, vous allez colle ça à paix à mes chums, vous allez crisser à le monde tranquille, tabarnak, vous allez crisser à paix à Joe, à Bert, à Étoile du Ciel, à moi, à Stéphane, à Nino, vous êtes des tabarnak de Mongol. Hey, je suis plus capable, sérieux, je suis plus capable, j'arrête pas de voir des crises d'affaires, vous servez à quoi, tabarnak de crise de gang de Mongol, vous servez à quoi, oh, moi je me fais dire que je suis tout le temps gentil, Chris. Hein? Je me faisais, je suis tout le temps gentil, moi. Ouais, j'ai bien de la patience, tabarnak. Mais là, j'étais cœurant, Chris, de cette petite gang de tuk-tuk-là. J'essaye d'écouter le Tookie Bird, là. Puis là, si je suis même pas capable de me calmer, si j'ai cœuré, si tout ce que le monde m'envoie, à quel point c'est cette petite crise de gang de Mongol-là, il arrête pas de faire de la crise de diffamation, calice. J'en ai mon tabarnak de cul, esti. Vous servez à quoi, tabarnak? Hein? Vous diffamez, vous riez du monde malade, vous riez des handicapés, vous riez des jeunes, vous riez des personnes âgées. Christ de monde de Mongol, vous servez à quoi, esti? Quand vous allez arriver devant le créateur, tabarnak, et si boy, que vous allez regarder, il va être trop tard. Il va être trop tard en esti. Je suis cœuré, esti. J'ai pète ma crise de notes à soir. J'en ai mon tabarnak de cul. J'ai passé une belle journée. Mais là, tout ce que c'est que j'ai entendu à soir, j'en ai mon crise de cul, esti. Là, c'est pas personnel, là. C'est pas personnel. Toi, tu peux m'attaquer, esti, autant que tu veux. Je m'en tabarnak. Moi, je suis assez fort. Moi, là, je vais pas céder. Mais là, quand tu t'en prends au monde autour de moi, par exemple, là, c'est une autre affaire, par exemple. Là, tu vas me trouver en esti. Tu vas me trouver en tabarnak. Parce que je t'écœure en Chris. Petite gang de Mongol, de calice, vous lâchez pas. Fait trois ans, esti. Faites juste la crise de diffamation. Rire du monde, esti. Vous avez rien à dire. Vous avez fucking rien à dire, Chris de gang de troll de Mongol. Esti. Je vais tout vous ramasser, ma gang de tabarnak. Je vais tout vous ramasser, esti. C'est fini, là? Ah, je vois de quoi en haut, est-ce que c'est... Pareil. Un point noir? C'est quoi? La 5G? C'est quoi tu vois? Bon, OK, il m'a pas de monter. Il m'a pas de gorgée, man, pendant le check. Check ça, Frank. OK, c'est bon, Frank. C'est quoi? Ah, c'est correct. All right, man. Faut que la bulle a passé, chum. Bon. OK. Salut, Slam Pop. Salut, René. Salut, le monde. C'est tout cassé qu'on. OK, c'est bon! Fait que ça aurait été cool, tu sais, qu'il y avait eu comme un téléthon pour les gens vraiment dans le besoin, plus qu'à Maléga. Il me semble que mon pinch est croche. Mais mon pinch est croche?
Is it crotchies? Non? Bon, OK. Bon, gang! Il a fait froid aujourd'hui. Je vous présente quelqu'un qui va faire une chronique aujourd'hui. Moi, j'adorerais qu'il revienne une fois de temps en temps, au moins une fois ou deux par semaine, quand c'est un StreamYard, qui vient nous faire une chronique. Sans plus vous faire attendre, je mets sa vidéo. Regarde. Invité spécial, mesdames et messieurs. Et voilà. Hey, hey! Bonsoir, Jean-Yves! Bonsoir! Comment ça va? Ça va bien. J'ai mis mes belles lunettes pour aller chercher le soleil. Pour vrai? Ben oui. Ben, gars, je vais t'accompagner. J'ai mis les miennes en espérant que ça marche. On est des êtres d'amour, de lumière et de soleil. Exactement. Et ça fuck mes yeux, moutou. Fait que, Jean-Yves, tu as accepté un challenge ce soir? Yes. Puis, yes. Quelles sont tes responsabilités chez Dan The Rock International? Ben, on va faire la météo de Québec, Montréal puis Ottawa. Nice. Puis on va donner des petits renseignements en même temps. Nice. Fait que tu nous shoots ça et yes. Qu'est-ce que tu annonces cette semaine? Ou ben là, demain, à Québec, là, aller jusqu'à vendredi, ouais. Ça va être nuageux. OK. Les températures vont varier de 13 à 20 degrés. OK. Et de 8 à 6 degrés la nuit. Oui. Très important pour ceux qui ont un jardin, hein? Oui, exactement. Good. Le soleil va apparaître samedi, mais ça va être un soleil nuageux. Ça veut dire mi-soleil, mi-nuage. Okay. Ça va être samedi, dimanche, ça va être la même affaire. Okay. Ça va être... Mais la température va remonter pour dimanche à 28 pour dimanche. Après ça, on retombe dans le soleil avec un 24. La température redescend. OK. Puis ça, c'est pour Québec, là, à date. Oui. OK. Montréal? Oui. Ça prend long, je vais juste passer ma... Oui, pas de trouble. Parle à Colette un petit peu en privé. OK. Donc là... Bien. OK. Là, présentement, les vents sont à 6 km heure. Ah, c'est assez calme pour la grande métropole. C'est faible. Puis, dans les 24 prochaines heures, il va y avoir 5 mm de pluie. Ça veut dire qu'il ne mouillera pas de ce côté pour les 24 heures, en tout cas. Puis, pour l'instant, le vent sont à 18 km heure pour Québec. OK. On s'en va à Montréal. Présentement, à Montréal, il fait 12 degrés. Ah, pas pire, pareil. C'est mi-soleil, mi-nuage. Yes. Présentement, à soir, il va faire 11 degrés, puis le coucher du soleil va être à 20h28. Oh! Et à 21h, ça va revenir nuageux pour faire une nuit de 10 degrés. Okay. Pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, ça va être du beau soleil. Oh. Il va faire de 16 à 29 degrés pour ces jours-là. Wow. On va aller voir présentement qu'est-ce qui se passe. Alors là, le coucher, comme j'ai dit, va être à 20h28. Ils disent qu'il y a 14 mm de pluie dans les prochaines 24 heures. Je ne pense pas qu'il mouille. Okay. Les vents sont plus hauts ici, sont à 10 km à l'heure. L'humidité que je n'avais pas dans l'eau est à 61%. Ça veut dire que il y a 61% sur 100, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de pourcentage pour qu'il mouille. Okay. Les vents à Montréal sont à 27 km à l'heure. Nice. Puis là, j'imagine que tu enchaînes avec Ottawa? C'est ça. Nice. Ottawa, on est-tu gâté à Ottawa, là? Qu'est-ce que tu annonces, là? Bien là, présentement, c'est ensoleillé. Il fait 11 degrés. OK. Il annonce 7 degrés pour la nuit prochaine. OK.
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il va faire soleil. Nice. Ça va, les températures vont varier de 15 à 27 degrés. Pour ces jours-là. Cool. On va aller voir. Le coucher du soleil va se faire à 20h36 ce soir. Ah, un peu plus tard. On a gagné 8 minutes sur Montréal. Oui. Et puis les vents sont à 18 km à l'heure. Il y a 6 mm de pluie qui peut arriver dans les 24 prochaines heures. Un petit crachat. Et la température ressentie, ben, 10 degrés, parce qu'ils ne donnent pas tous les détails dans chaque région. Là. L'humidité est à 47 %, puis la visibilité est à 35 km, ça veut dire le plafond. Fait que c'est à peu près ça pour... c'est du beau soleil. Peux-tu nous sortir la pression barométrique en kilopascal? Oui, est à 123 kilopascal. Incroyable. C'est impeccable, Jean-Yves. On va aller du côté de Québec. Oui, yes. Est à 119 kilopascal pour Québec. Ooh. Et Montréal est à 100,20 kilopascal. Nice. Fait que ça fait le tour des trois villes principales là, ouais, qui existent juste sur la Terre. As-tu une petite chronique? As-tu un petit sujet par rapport au météo, environnement, nous jaser un peu? Ben, moi, je voulais parler, il y en a beaucoup qui parlent des chemtrails, qu'est-ce que ça fait. Puis, je suis allé voir tantôt quelque chose que quelqu'un m'avait envoyé. OK. Puis, moi aussi, j'ai des doutes là-dessus, là, les chemtrails, là, parce que j'en ai un gros doute. Parce que moi, je me souviens, des années 70, il y en avait. Okay. Il y en avait, puis ma mère nous disait tout le temps que c'était pour ensemencer les nuages pour faire de la pluie. Donc ça a une saveur météorologique, là, qu'est-ce que tu dis? C'est ça. Dans le fond, ça ensemence les nuages pour... Mais je dis pas, par exemple, qu'il peut y avoir des agents de chimiques dans qu'est-ce qu'il jette dans l'air, mais... c'est sûr que ces particules-là tombent du ciel et tombent jusqu'à terre. Puis, est-ce que le produit est toxique? Ça, on ne sait pas. Non. Parce que personne, quand ça tombe à terre, c'est sûr que ça rentre dans la terre. Puis, pour prendre des échantillons, ben, il faudrait creuser et prendre la terre pour faire des analyses. Non. Mais c'est ça. Moi, je pense que les chemtrails, c'est pas d'aujourd'hui que c'est comme ça. Puis je pense que, mais qu'on soit parti, ça va exister encore. Donc, c'est rien de vraiment démoniaque, si on pourrait dire. Non. Okay. Non. Bien, parfait, Jean-Yves. On se laisse aller. Je continue avec des vidéos. Mais juste parce que je vais remettre ta vidéo en conclusion, puis je te laisse là-dessus. C'est beau. Fait que c'était la météo avec Jean-Yves Dumontier. Puis Jean-Yves, je t'invite personnellement encore, une autre fois, de revenir et on se fait une météo ensemble. Pas de trouble. C'est bon. Merci énormément, Jean-Yves, d'avoir répondu à l'appel. Puis reste dans les commentaires, puis reste dans le chat. Ça se peut qu'on aille Mon compte tantôt, OK? Ouais. Merci beaucoup. Merci énormément. C'est très apprécié. Bye-bye. Bonsoir. Hey, c'était Jean-Yves Dumontier avec la météo. Très apprécié. Une bonne analyse. Beaucoup de renseignements, gang. T'sais? Mais bon, fait que s'il n'y a personne qui sait ce qui se passe comme météo à Québec, Montréal, Ottawa, ces prochains jours, parce que vous n'avez pas écouté. Bon, là-dessus, on retourne à la bibliothèque, à la médiathèque. C'est grand. Chez Dan The Rock International, les bibliothèques sont grandes. Mon sujet principal, je le garde un peu plus tard. Une petite vidéo pour faire rire, 1 minute 34. Détente. Juste détente. Juste détente. Il est de ton jour, mon Dieu de mon
parlent et qui disent la merde, vous allez chier de la. Ça, vous allez chier de la. Vous allez chier de la. OK? Écoute, mais je peux les bloquer à les estimes mangeux de claque. Puis eux, ils le savent en esti qu'est-ce qui s'en vient parce que mes télécommunications, ils les entendent tous. Ils savent en esti le texto pis la conversation que j'ai eue, man. Pis ils savent en esti ce qui s'en vient à la fin mai. Ils savent en tabarnak. Pis vous irez rire en esti de celle-là avec. Empêchez ça de devenir viral, gang de pancarte. Ça s'est filmé pis t'allais downloader, tabarnak. OK? Je te garantis qu'il y en a un esti de paquet qui vont virer du tour en tabarnak, man. Un esti de paquet. Autant de chroniqueurs de merde, ils vont chier. Comme ça, le destin, gang de pancarte. Man, va revenir viral, esti. Va avoir un hostie d'impact, man. Va chier de la patte, man. Vous pouvez rire, je m'en tabarnak. Bonne cause, tabarnak. Et vous autres, là, qui croyez, puis qui parlez, puis qui riez de moi, là, ben, vous irez rire en esti encore de celle-là. Ils vont chier, ils vont chier. Va avoir un hostie d'impact. La musique t'abonne. C'était, mettons, la musique t'abonne. C'était comme, il y a des oiseaux qui chantent dehors là, chez nous. Je les entends à travers la porte de garage. C'était vraiment un moment zen, à part que la voix de l'autre. Là. Regarde, et voilà. La sainteté. La sainteté, baby. Yeah. Ouais. Excuse the game. Bon. Je mets ça. OK. Gang, un petit préambule. Demain, la Terre, le bon Dieu, le Créateur m'a remercié de faire partie d'un live que j'ai très hâte. Je vais jaser avec première demoiselle Émilie Bolduc et monsieur Denis Thibodeau sur un sujet. J'ai très hâte. Mais juste pour effleurer un peu d'avance, parce que j'étais un tannant, là, tu sais, 24 heures d'avance, là, parce que ça serait dans 7 minutes, dans 24 heures demain. On va parler de dons, monétisation. Il y a ça que j'aimerais amener. Tu sais, on se rappelle, là. Juste pour qu'on en discute demain, puis ça, j'aimerais amener des points de vidéo, il est là, entre autres, là. Juste ça. 9 et 10, la campagne de financement de François. Pour ceux qui ne savent pas, depuis le début mars, on fait une collecte de dons, des contributions volontaires pour que François puisse, au départ, c'était pour payer les frais d'avocat, les frais judiciaires, mais également ses frais de subsistance, c'est-à-dire pour continuer à payer son loyer pour qu'il y ait un toit au-dessus de sa tête lorsqu'il rentrera à la maison, etc. Également, ben, pour payer certains coûts, frais courants, etc. Puis ensuite de ça, comme on avait toujours dit depuis le début, ben quand il sortira, ben il décidera bien ce qu'ils décident de faire avec cet argent-là. Ben, il y en a bien besoin présentement. Il y a aussi beaucoup de comptes qui n'ont pas été payés parce qu'on n'avait pas la procuration nécessaire. On avait eu plusieurs dons. On vous remercie. Donc, 24 172, c'est où est-ce qu'on était lors du dernier bilan. L'autre semaine, comme toujours, évidemment, vous avez les noms des gens. La Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple du Québec a versé le troisième. Ben, il y en avait un qui était fait au nom de la Fondation. Donc, on avait reçu déjà deux dons de 500$ et un troisième don, ce qui fait 1500$ depuis le début pour la Fondation ou encore de Stéphane Blais. On vous remercie. C'est vraiment très apprécié. Voyez, là, la manifestation du 1er mai également, on a reçu beaucoup de dons. Les dons qu'on a cette semaine vont aller au prochain bilan. Donc, le grand total depuis le début de la campagne, 27 137,81. On vous remercie encore une fois, vraiment. On m'a remis plein d'argent quand je faisais mon live. Oui. Mais moi, j'ai pas noté toutes les personnes. J'ai pas noté le montant non plus que vous m'avez donné. Donc, c'est possible que c'est ça, je mets des chiffres. Puis c'est, ouais. Suggestion, si jamais vous voulez donner des dons à une des personnes du comité de gestion, que ce soit Québec Patriote, Mélissa, Pascal Bill, Lys Rouge, vous pouvez toujours m'en donner à moi, il n'y a pas de souci. Le grand total depuis le début de la campagne, 27 137,81. On vous remercie encore une fois, vraiment.
Qu'est-ce qui s'est passé vendredi passé? Ouh là 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 là, les gens ne comprennent pas. Hein? Ils ne comprennent pas. Et voilà. Arrête, Dan. Arrête. Ça se fait un bout, là. Regarde, c'est pas long, mais bon, pourquoi pas? Juste pour s'en rappeler. La coordination avec la sécurité, ça coûte peut-être... Dimanche, ça a peut-être coûté 2-3 000 $ là, toute cette activité-là, si on inclut les policiers, la coordination, la drag queen et tout ça. Pour une vingtaine de jeunes, ben pour une vingtaine de jeunes, je trouve qu'on exagère. Je trouve que l'argent des contribuables devrait être dépensé plus respectueusement. Moi, mon point, c'est de dire, charger aux parents à ce moment-là le vrai coût, et il n'y en aura pas un dans la salle. Charger le vrai coût aux parents, là, qu'est-ce que ça coûte, là? Et il n'y en a pas un qui va y aller. Quand il va s'apercevoir qu'il est obligé de débourser 100 $ là, ou 150 $ pour son activité, pour son jeune, là, il va dire, ben finalement, je vais y apprendre à faire des muffins à la maison. Il est choqué. Puis, est-ce qu'on peut avoir une idée de c'est qui ces parents-là qui ont tant besoin d'amener, d'asseoir leurs jeunes devant, devant ce genre de phénomène-là? Mais c'est qui ces parents-là qui sont pas capables d'expliquer c'est quoi l'inclusion, sont pas capables d'expliquer c'est quoi l'ouverture, sont pas capables d'expliquer les choses de base à leurs enfants? Ils ont absolument besoin d'un spectacle, ils ont absolument besoin de ça. Moi, c'est là que je décroche. C'est pas gratuit, ça? Pour l'évolution des enfants, ça devrait être gratuit, non? Pour leur mouvement? Things that make you go. Nous allons continuer toujours pacifiquement. Et puis, l'un des objectifs, c'est que nous voulons créer des lettres modèles au pluriel, dans le sens où ce sera plusieurs parents, pour que ces lettres soient envoyées dans des bibliothèques, envoyées dans des écoles et tout, parce qu'il est important que les parents aient un mot à dire sur le contenu des enseignements qu'on donne à leurs enfants. Excellent. Merci beaucoup, François. Merci à toi, Samuel. Bonne journée. C'était François Maléga, quelqu'un qui n'a pas peur de ses idées. Et puis, on peut être pour, on peut être contre, mais ce qui en demeure pas moins, c'est qu'on doit respecter le droit à cette liberté de manifester. Et les images qu'on a vues et les images qui n'ont pas été dénoncées par des Manon Massé, par des Paul Arcand, par des journalistes qui ont critiqué les manifestants contre le compte des dragues aux enfants, c'est que vous n'avez pas dénoncé cette violence à laquelle les manifestants ont dû faire face parce qu'il y avait des gangs de charognards, des déchets de société qui étaient venus en autobus, certainement payés 10-20 piastres ou avec peut-être un joint en plus en cadeau. L'autobus payé, la poutine après chez dans un restaurant parce que c'est une gang de petits déchets, une gang de petits cris. C'est carrément ça. Wow! Fuck, hein, il est ta mère, man. Ah ouais. Des plantes en plastique. C'est des plantes en plastique, Émilie. Là, j'essaye. Là. La vidéo que j'ai mis tantôt, là, la gang à Nino. Là. Asti, j'essaie de me downloader. Puis ça arrive, c'est ça qui arrive dernièrement. Mais là, donnez-moi 2 secondes. J'essaie une dernière fois. Pendant que je vous ai là, ça va vous faire dans le dos. Là. Fuck! Anyhow, c'était quelque chose, là. C'était fucking un meeting de ma tante, là, dans la coiffeuse du bas du village, là, après la messe d'11h, là. C'était quelque chose. Yeah. Ah, peut-être comme ça, hein? Ben oui, ben oui. OK, j'essaye ça. Oh là. Il y a quelqu'un, c'est un monsieur, ça. Ouais, c'est un monsieur. Moi, c'est respect, ça. Ah oui. Mais il est allé au ciel direct, lui. Oui. C'est bon, il a des défauts, il a un caractère, mais regarde, moi, je dis, il a un caractère. Moi, je dis, quoi, moi, je vais te mettre malade comme qui, tu vois, tu vas avoir un caractère, tu vois, tout. Sais-tu comment il souffre, ce gars-là? Sais-tu comment il souffre? J'ai passé par là, moi, tu n'as un artiste de caractère.
puis il trouve un moyen de sourire, puis d'être encore gentil, je trouve que c'est déjà beau, hein, c'est... Parce que le bonhomme, ce qu'on ne pense pas, c'est qu'il souffre encore, là, celui-là. Là. Ouais. Hey, c'est dur en crise. Tu sais, j'en ai vécu ce qu'il vit. C'est... Je peux même pas décrire. Ça se décrit même pas. Fait que les petits crises de clin jeunes, là, si vous m'entendez, là, comme The Rock pis sa gang, fermez donc vos gars. Écoutez, moi, j'ai pas peur. Fermez donc vos astidioles, tabarnak. Vous êtes des... Ah, on va m'en retenir parce que, ah, moi, je trouve mal. Crise de pion de gang de cause. Hein? Ah, c'est gang de... Maillot? Maillot, qui a... Je vais arrêter parce que je vais m'emporter. Jean-Yves, là, tu parles de Jean-Yves Dumontier. Il a fait des menaces à... Je parle de tous les astidioles. Pions qui attaquent Bert. Des crises de jeunes pions de bombe qui n'ont jamais rien vécu dans leur vie. C'est des astuces, mon gars. Là. Je vais arrêter parce que moi, je suis trop malin. Je suis malin encore. Je m'en vais. Écoute, c'est moi, je suis malin. Est-ce que je suis malin, moi? L'argent. Ouais. C'est des gars, là, qui ont à peine 30, 40, 45 ans, puis ils pensent d'avoir un vécu dans leur vie. C'est des hosties gros, rien, gros crises de zéro de marde. C'est pas parce que t'es jeune, t'es pas connaisseur dans quelque chose. J'ai même pas peur de dire, mais du corps, il sera ça dans le front, je m'en colle. Actionne-moi, je m'en crisse. Moi, du monde comme eux autres, là. Souvent, là, c'est du monde, là, qui connaissent à rien. Ouais, c'est quoi un vétéran de l'armée, tu vas voir, c'est quoi? Faut parler, sergent. La seule chose qu'ils connaissent, ce genre de personnes-là, là, c'est se lever le matin, se rendre à leur job, puncher leur carte, puis le jeudi d'avoir leur paye, puis aller faire la fin de semaine avec les deux billes sur leur caisse de bière sur le balcon. Ah ben, je pense que j'ai passé dans la vie, moi, je compterais pas ma vie, mes tabarnak. Ils me font rire comme un calice, J'ai écouté le live de Dan The Rock hier, puis je shakais de rage de même. Je suis enragé ici, j'ai remonté sur lui, j'aurais tout détruit sa cabane. God. Ah, c'est quand il parlait. Les deux billes sur leur caisse de bière sur le balcon. Ah, ben, c'est pas ça que j'ai passé dans la vie, moi. Je compterais pas ma vie, mes tabarnak. Ils me font rire comme un calice, ça, c'est-tu. J'ai écouté le live de Dan The Rock hier, puis je shakais de rage dans même. J'étais enragé ici, j'ai remonté sur lui, j'aurais tout détruit sa cabane. On rire comme un calice, ça, c'est-tu. J'ai écouté le live de Dan The Rock hier, puis je shakais de rage dans même. J'étais enragé ici, j'ai remonté sur lui, j'aurais tout détruit sa cabane. J'ai passé dans la vie, moi, je compterais pas ma vie, mes tabarnak. Ils me font rire comme un calice, ça, c'est-tu. J'ai écouté le live de Dan The Rock hier, puis je shakais de rage dans même. J'étais enragé ici, j'ai remonté sur lui, j'aurais tout détruit sa cabane. God. Ah, c'est quand il parlait, quand il y avait le live avec Ted Jones, c'est ça? Oh! Oui. C'est un hostile manger de marbre, j'espère qu'il m'entend, c'est-tu. Ben moi, oui, je m'en colle, en tout cas, gars. Moi, la poche, je connais pas ça. Qui mange la marbre? C'est pas là, il viendra me dire ça. J'ai écouté le live de Dan The Rock hier, puis je shakais de rage dans même. J'étais enragé ici, j'ai remonté sur lui, j'aurais tout détruit sa cabane. Ah, ma vie, mes tabarnak. Ils me font rire comme un calice, ça, c'est-tu. J'ai écouté le live de Dan The Rock hier, puis je shakais de rage dans même. J'étais enragé ici, j'ai remonté sur lui, j'aurais tout détruit sa cabane. Ah, c'est quand il parlait, quand il y avait le live avec Ted Jones, c'est ça? Oh! Oui. C'est un astuce de marbre, j'espère qu'il m'entend. Ben oui, J'étais envoyé hier un gars sur le live à Jean-Yves. Là, Maya, je pense que ta gommée, ça fait de l'effet. Ça se prend pour le Batman, parce que depuis que j'étais un homme, j'ai... Dans le bout de Mathieu Tapin. Qui ça? Dan The Rock? Ça, chum ensemble. C'est une gamme. C'est qui reste dans le bout de Québec? Dan The Rock, tu parles? Ah, je pense non, pas le gros de Québec.
J'ai entendu dire qu'il reste arrière dans le rock, mais je ne sais pas. Mais c'était pas Gatineau? Ottawa. Ottawa, c'est ça. Ottawa, j'ai entendu ouais, du tout. Ouais, Ottawa. Ouais, oui. Hey, le dernier live qu'il a fait, là, Jean-Yves, là, Mike Mick Deschaine, il n'arrêtait pas d'insulter Mélina. Puis il est même pas intervenu. Il l'a laissé faire. Puis là, il l'a vu, ce commentaire-là, puis il l'a laissé faire. Ces gars-là se font tout ramasser le monde. Il faut être patient. Puis là, il se plaint qu'il reçoit des menaces de Ranger. Puis là, il veut plus de live à cause de ça. Il a inventé des histoires sur le dos. Puis il a fait des choses de police. C'était un chat de mort. Il a fait toutes sortes de niaiseries de même. Puis là, il se demande pourquoi il reçoit des menaces. Il est très Il y en a un qui écrivait si tu avais fermé ta gueule, ça n'aurait pas arrivé. Il faut vraiment avoir du temps table pour faire ça. Il faut vraiment avoir rien faire de ses journées. Il faut vraiment. Ces gars, ils n'ont rien à fucker de leur journée. Puis là, il laisse rentrer Darock dans ses lives. Il laisse rentrer tout le monde. Les voisins, les poupées gonflables. Ils servent de lui. Ça n'est des inutiles. Ça, c'est des vrais inutiles dans la vie. Ça ne sert à rien dans la vie. C'est ça, des inutiles, c'est ça. Ça sert à rien en Dumpty, vie. Dumpty, ouais. Gournois, Karine Nadeau. Quand Bob voulait débloquer Jean-Yves, là, ben, s'il avait vu ce qu'il disait contre lui, là, il n'aurait pas pensé ça. Bob, tu as trop de cœur, c'est ça qu'il y a. Ouais. Tu as trop de cœur, ce gars-là. C'est parce qu'il checkait pas qu'est-ce qui se passait, ça part à Jean-Yves. Ouais. Puis il était un peu naïf, Bert aussi, fait que... Qui a été dans le domaine médical, c'est le débit ou Benoît Méguiche? Alors, il se couche, là. Oui! Il y a... C'est la radio. Oui. Mais moi, j'avais envoyé la écrit à me faire croire que Guy Paquette, il se mariait avec elle, puis qu'il était en amour avec elle, puis tout ça. J'avais envoyé à Bert. Il s'en rappelle plus, je pense. Tu pourras plus parler, Nino, il y a trois femmes, tu pourras plus parler. Ouais. Bert, il est comme ça, Mayo. Il bloque, il débloque, il bloque, il débloque, il bloque, il débloque, il bloque, il débloque, il bloque, il débloque. C'est comme il fait partie, comment je le vois, moi, Bert. Si quelqu'un n'a jamais chauffé un manuel, là, quand il lâche la cloche, ça fait quoi? un spring. Non. C'est pas méchant là, quand je dis ça, là, mais c'est, il est comme ça, Bert. Il y a trop de cœur. C'est ça qu'il y a. Il y a trop de cœur. Ouais. Exact. Regarde comment il a du cœur, il était malade hier, puis regarde comment il travaillait dans le char du gars, ça prend du cœur en hostie, ça, pour faire ça. Là. Même moi, je le ferais même pas, moi, je vais te dire. Non. J'ai envoyé le gars. Un flou à l'air, là, c'est en pyjama. J'ai envoyé le gars, moi. J'ai envie de. Bon, ouais, tout qui pète, les gens. Mais je comprends pas, ça fait qu'il est passé au garage, tout pas. De quoi tu parles? Bird? Hey, non, si on brisait un fil en installant le moteur, pourquoi qu'il ne retourne pas au garage? Parce que c'est pas vraiment pas ça, le trouble. Ben, ça allait être le switch. Le switch est quoi le trouble aujourd'hui? Oh, mes gars. Ah, ouais, yeah! Tu sais, quand j'étais jeune, mes grandes tantes, là, dans les chalets, on était assis, là, puis je ne pouvais pas dormir, je les entendais, puis ils étaient assis à la table, là. Là, ça jasait, là. Oh, my God! My God! C'est... Il y a eu la petite vie, il y a eu les bougons. Il y avait ça, les gobelets, bien avant la petite vie. Il y a eu poivre et sel. Hein? J'ai une cito, puis... Asti, je le vois dans ma tête. Là. Anyway.
Ça prendrait une série de. Voyons donc, man. On dirait qu'il était en train. Il était à la table de pique-nique, toute la gang, en train de se faire des sandwichs au jambon puis de la moutarde. That's it, chum. Même pas de pain toasté, là. Deux tranches moutarde. On coupe du ballonné. Let's go. Wow! J'ai la tulipe, merci. Wow! C'était comme. C'était trash, mais c'est comme. C'est drôle. Oh my God! Ouais! Mais ça a l'air qu'il reste là-bas, je le dirai pas! Ouais, mais il reste là-bas, là. Ah, je le dirai pas! Chris, je te jure, man, m'a pogné. J'ai des idées, gang. M'a pogné une coupe, ils sont allumés, là, puis on se fait un sketch. On fait un sketch. On émet toutes, là. OK? Ceux qui sont intéressés, on se met 3-4 ensemble, on se filme. Quelqu'un fait un montage pour en faire la même colisse d'affaires. Quatre, ma tante qui joue au 2 de pique. Au 500, au 10e. S'il y a quelqu'un là-dedans qui serait intéressé puis est capable de tricoter en même temps, ça serait cool. Tu sais, c'est des affaires de même qu'on cherche dans The Rock International. Ben, Michael, fais ça d'une caméra toute, man. Non, c'est une joke, Michael. On parle pas de sujet. On fucking bavasse comme des matantes, man. Moi, je suis prêt à me mettre des rouleaux dans les cheveux. Ben, hey boy. Ouais, ça serait pas Denis non plus, en tout cas. Mais il m'a mettre un casque de bain, là. Je me dis, t'sais, après de sortir mon journal, là. T'sais, voyons donc, là, je suis capable de faire ça, là. Voyons donc. Check, c'est facile de même, là. Putain. Avec un journal, le journal local, checker le numéro du bingo à Radio Communautaire. Avec la grosse livre de jambon sur le comptoir. Ben! Ça a de l'air qu'il y a du monde à Ottawa qui se rase pas les pseudo de bras. Non, c'est pas Ottawa, c'est à Montréal. Ben! Vous êtes fucking arriérés, man. La fête des Patriotes vient de finir. Vous êtes des jaseuses de cuisine comme ça. La live à Nino. Come on. Throw some fucking balls. C'était mon pétage de coche pour ce soir. Bon, next. Non, c'était vraiment ça. Là. C'était vraiment ça. Fait que là-dessus, gang... Guy, OK, garde, une minute. Là, j'aimerais ça inviter des gens pour rire, pour jaser. 5 minutes. 5 minutes par personne, ça coûte 50 étoiles. Copier. Guy Paquette, fais-les, s'il vous plaît, man. Ça fait longtemps, puis fais-les. Anyway, quelqu'un d'autre veut rentrer en attendant, mais je pense qu'on aurait un autre invité. Émilie, je travaille demain. Laisse Bert tranquille. Le chemin est là. N'importe qui est rentré. Sinon, je remets la vidéo encore. Vous n'êtes pas game? Bon, ben, tant soit temps qu'il n'y a pas quelqu'un qui rentre, je remets la vidéo Nino, Carlis. Il y a quelqu'un, c'est un monsieur. C'est un monsieur, ça. Ouais, c'est un monsieur. Moi, c'est respect, ça. Ah oui. Mais il est d'aller au ciel direct, lui. Oui. C'est bon, il y a des fois, il y a un caractère, mais regarde, le monde dit qu'il y a un caractère. Moi, je dis quoi? Moi, je vais te mettre malade comme qui? Tu vois, tu vas en avoir un caractère, tu vois tout. Sais-tu comment qu'il souffre, ce gars-là? Sais-tu comment qu'il souffre? J'ai passé par là, mais tu mets un asti de caractère, puis il trouve un moyen de sourire, puis d'être encore gentil. Je trouve que c'est déjà beau, un asti. Parce que le bonhomme, là, ce qu'on ne pense pas, c'est qu'il souffre encore, là, celui-là. Là. Oui. Ah, c'est dur en crise. Tu sais, j'en ai vécu ce qu'il vit. Je peux même pas décrire. Ça se décrit même pas. Fait que les petits crises de clin jeunes, là, si vous m'entendez, là, comme The Rock pis sa gang, fermez donc vos gars. Écoutez, moi, j'ai pas peur. Fermez donc vos hosties gueules, tabarnak. Vous avez dit, ah, on va m'en retenir parce que, moi, je trouve mal. Crise de pion de gang de cause. Hein? Ah, c'est gang de. Maillot, qui a gagné? Je vais arrêter parce que je vais m'emporter. Jean-Yves, là, tu parles de Jean-Yves Dumontier.
Il a fait des menaces à... Tu parles de tous les astipions qui attaquent Bert. Des crises de jeunes pions de bande qui n'ont jamais rien vécu dans leur vie. C'est des astipions-là. Je vais arrêter parce que moi, je suis trop malin. Je suis malin encore. Je m'arrête. Écoute, c'est moi, je suis malin. C'est des gars, là, qui ont à peine 30, 40, 45 ans, puis ils pensent d'avoir un vécu de leur vie. C'est des hosties gros, rien, gros, crises de zéro de marde. C'est pas parce que t'es jeune, t'es pas connaisseur dans quelque chose. J'ai même pas peur de dire, mais j'ai connaissera ça dans le front, je m'en colle. Actionne-moi, je m'en crisse. Moi, du monde comme eux autres, là. Souvent, là, c'est du monde, là, qui connaissent à rien. Ouais, c'est quoi un vétéran d'armée, tu vois, c'est quoi? Vous parlez, sergent. La seule chose qui connaît ce genre de personnes-là, là, c'est se lever le matin, se rendre à leur job, puncher leur carte, le jeudi d'avoir leur paye, puis aller faire la fin de semaine avec les deux billes sur leur caisse de bière sur le balcon. La main qui pense que j'ai passé dans la vie, moi, je ne compterais pas ma vie, mes tabarnak. Ils me font rire comme un calice. J'ai écouté ma cellule. J'ai écouté le live de Dan The Rock hier, puis je suis de rage dans même. Je suis enragé ici, j'ai remonté sur lui, j'aurais tout détruit sa cabane. God. Ah, c'est quand il parlait, quand il y avait le live à Mentadjou, c'est ça? Oh! Oui. C'est un hostile mangeur de marbre, j'espère qu'il m'entend, c'est-tu. Moi, je m'en colle. En tout cas, là, vous la poche, je connais pas ça. Qui mange la marbre? C'est quoi, Dave viendra me dire ça. Je t'ai envoyé hier un gars sur le live à Jean-Yves. Maya, là, je pense que ta gommée, ça fait de l'effet. Là. J'arrive pas à te comprendre. Là. Je t'ai envoyé. Ça se prend pour le Batman parce que ça a trop bien de prix. Là, je suis un homme, j'ai de la bière dans le. Il reste dans le bout de Québec, lui. Dans le bout de Mathieu Tapin. C'est ça. Dans le bout de Mathieu Tapin. Ils sont tous ensemble. C'est une gamme. C'est qui reste dans le bout de Québec. Dans le Rock, tu parles? Ah. Non, le gros tatin. Il reste à l'heure. Donne-moi une minute. Anyway, c'est pas grave, on attend Denis Thibodeau, là, qui a vu 15 minutes. Ça va là. Ça va là. Bon, hey! Hey, tu parles d'une gang de lignes, de vieux poils. Ben, c'est quelque chose, là, tu sais. Les autres, tout jase, là, du monde. C'est les cancans, hein? C'est la petite vie. C'est la petite vie, Jean-Yves, c'est la petite vie. Oui, mais je pensais à ça, là, quand on devrait faire quelque chose, là, c'est que quelqu'un, tout le monde sont là, qui veulent le faire, là. Ils devraient s'enregistrer, faire un n'importe quel personnage, mais pour rire. Ah oui, pour l'amour. Denis, je ne sais pas si Denis est encore là, parce que je sais qu'il y a un logiciel qu'on peut transférer les fichiers là, pour pas que ça prenne trop de place. Quand tu n'as pas la tête là-dessus, moi je pense que c'est les gens ont une bonne caméra pour s'enregistrer, faire de quoi original. Mais là-dessus, je pense que tu as comme soufflé dans la lampe magique. Tu as mentionné le nom de Denis Thibodeau. On le rentre dans le studio. Allô, Denis? Non, t'attends. Fais rien qu'entendre Jean-Yves depuis tantôt, man. Dites de quoi, man. Envoie Yesti, je te dis de quoi, envoie, il pogne le micro. Ils ont du temps à perdre, bâtard. OK. Oh, bâtard de bâtard. Hein, ils ont du temps à perdre, hein. Ça n'a pas d'allure. Ça OK. Pas d'allure. Oh, boy. En plus de ça, il y a la casquette de Batman. Anyway, regarde, donne-moi deux minutes, là. Reste en backstore, là. Wow. Wow! Mais on attend Denis qui revient, puis j'ai un invité spécial, je suis très content qu'il est là, c'est une annonce solide. Ah bon! Je me doute de qui! Gang, attachez vos G-strings avec la broche, je vous le dis. Quand je remets le lien pour Denis, gang, les calices!
Oui, ça va brasser à soir, gang, je vous le dis. Dans le respect, j'espère. Anyway, c'est moi qui dois suivre. À soir, là, c'est un... Dans la merde, là, parce que ça ne finira pas d'une demi-heure, je le dis tout de suite. Là. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde, mais sacrément, pourquoi j'ai dit ça, Basti? On commence sur le vin. Salut. Ouais, salut. Sacrément. Denis Thibodeau, Basti. Là, Jean-Yves, t'as-tu de quoi à boire avec toi? T'as-tu un verre d'eau? T'as-tu... Ouais. Tu ne fumes pas une petite puff à rien, toi? Non. Mais ça serait le temps de commencer. Parce que si Denis rentre pas, je rentre mon prochain invité. Denis va venir no matter what. Avec une gang comme ça, là. Hey boy, je passerai pas une soirée avec les autres, là. Non. Oh boy. Ouais, écoutez la victoire de l'amour. 3, 2, 1. Il a fait un faux compte, mais au moins je sais qui, il est venu. Puis je vous présente la seule personne qui a une craque entre les dents plus grosse que la craque de boule à Mélina, M. Gabriel Poulin. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, vous. OK, on a trouvé un premier personnage pour le prochain show. Le shit show, toi, chose. Hey, manque juste, faudrait-tu te mettre en arrière d'un congélateur, en avant d'un congélateur, ou un frigidaire dans la cuisine. Manque juste ça pour ton prochain décor. En arrière. Câlisse. Non, non, regarde. Ça n'a pas d'allure. Fait que là, on a un personnage de près sur 5. Il manque juste une agente féminine avec des rouleaux dans la tête. Puis. moi, ça je fais Nino. Je vais me préparer des tatous sur le chest. Hey, c'est quoi, tu as eu des chihuahuas? Tu as eu des chihuahuas en fin de semaine? Denis? Non, des shih tzus. Des shih tzus. Tzu. Fais-tu deux tatous de shih tzus sur le chest? Tu peux investir un t-shirt. Fais-tu t'as pas eu deux tatous de shih tzus, man? Puis. Ou je pogne deux shih tzus, il y a ça, vu que son bébé, les broches. Tu te mets de la sauce à tabasco sur le bout de l'épaule, mon frère, man. Aïe, aïe, aïe. Je brogue. Fait qu'on a un invité spécial, Gab Poulin, ce soir. Gab, tu nous éclairer. J'ai pas compris, tout le monde rit en même temps. Ah, ça y est. Aïe, aïe, aïe. Ça me prendrait une femme, là. Ça me prendrait une gorgée dans l'amour. Ah, ça y est. Qui est gang là-dedans, là? Ah, ça y est. Gang, là. Colin. Ah, mais le pire là, sérieusement, là. Aïe, aïe, aïe. Mais non, on commence à créer quelque chose, là. Ah, je sais pas, moi, si c'est mon invité spécial qui se bat là, qui est Gab, ou c'est le nouveau chroniqueur de la météo, Jean-Yves. L'étoile montante de ce soir, à date, ça serait comme un combat des clips, là, Denis. Là. C'est mais, Jean-Yves avec la météo ou c'est Gab avec son inspiration divine? Je ne sais pas. Mais Dom C, il est vraiment le meilleur pour faire l'imitation de Nino. Pour l'avoir vu dans le passé, ça n'a pas de sens. Aïe, aïe, aïe.
Hey, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais je te l'envoie. Je m'envole, je m'envole, je m'envole. Je lis cette vidéo-là, justement, de Domicé qui est Nino. C'est drôle en tabarnak. C'est vraiment drôle. Un petit peu, je vais essayer de la repogner ici. Ça n'a pas d'allure. Ah oui, je l'ai. Il est obligé de rire. Ah, moi, je me passe. Oh! Aïe, aïe, aïe. Câlisse. C'est épouvantable. C'est qui a décollé. C'est drôle. Il n'y a rien de méchant, c'est drôle. C'est un doublage. On appelle ça une parodie, les amis. C'est ça. Ouais. Ah, oh, il manque juste Mexicanadien. Hey, Dan Deloitte qui pourrait imiter un Mexicanadien. OK, Dan. Dan, je ne sais pas s'il nous entend. J'ai une vidéo à épicher. Je ne sais pas, il est parti en rien. Il est parti faire du barbecue et il nous laisse là tout seul. OK. Il fallait que j'aille rentrer à Rosanne, à rien dans le fond de la cour, je suis revenu, je l'ai fait vite. Ben, attends, Dan. Je vais imiter une canette de bonne. Non, je rentre sur le vin. Vino. Moi, c'est un petit verre de jus. Vu que Denis s'en est, j'ai ouvert une bouteille. Ben honnête, regarde. Ben honnête. La mienne est plus grosse que la mienne. Une bouteille à 4 piastres et 10. Oui. Une bouteille à une pièce. Calice. Liberté! Liberté! Hey, Dan, je viens de pitcher une vidéo justement d'imitation de... OK, celle-là? OK, ouais. Oui. Merci. Ouais. Okay. Là, c'est en diffusé. J'ai 4 personnes dans la cam. Dites-moi ça. Ça peut que ça gèle. OK, si ça gèle, on va dire fais ça. La date, c'est pas pire. C'est bon. OK, si tu fais ça, ça veut dire que je coupe la vidéo. Ouais. Bien sûr, on écoute ça, gang. Là, les astuces standards, là, les astuces formées avec les gorgons, tout ce qui reste de la gang de Mongol, là, les Team Bashing Silver, là, vous allez coller à paix à mes chums, astuces, vous allez crisser à le monde tranquille, tabarnak, vous allez crisser à paix à Joe, à Bert, astuces, à Étoile du Ciel, astuces, à moi, à Stéphane, à Nino, c'est qui Stéphane? Tabarnak de Mongol, hey, je suis plus capable, sérieux, je suis plus capable. J'arrête pas de voir des crises d'affaires, asti. Vous servez à quoi, tabarnak de crise de gang de mon gars? Vous servez à quoi, asti? Ah oui, moi, je me fais dire que je suis tout le temps gentil, Chris! Hein? Je me fais dire que je suis tout le temps gentil, moi. Ouais, j'ai le bain de la patience, tabarnak. Hey, couché, là. Mais là, j'étais cœurant, Chris, de cette petite gang de toc-toc-là. J'essaye d'écouter le Tookie Bird, là. Je suis pas capable de me calmer. OK, c'est Stéphane Langevin. Merci à Chloé pour la réponse. Oui, c'est dans vrai. Dans l'amour, Franck. Oui. Dans l'amour, Chloé, Franck. Chloé, envoie ton email au voisin gonflable. Ils vont t'envoyer un t-shirt gratis ou un stylo. Merci. J'ai cœuré. J'ai cœuré tout ce que le monde m'envoie. À quel point c'est une petite crise de gang de Mongol-là. Il n'arrête pas de faire de la crise de diffamation, Carlis. Aussi, la Silver n'est pas capable. Il est tout le temps nous autres. À un moment donné, il va falloir qu'il lâche mon petit Joe, là, puis les autres, il va falloir qu'il se ramène la gueule, parce qu'il commence à être tanné, moi, là. C'est moi qui vais faire rentrer dedans. Ouais. Laisse-toi aller, Frank, ça fait du bien. Le Carlis, vous ne lâchez pas. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, si. Faites juste la crise de diffamation. Rire du monde, si. Vous avez rien à dire! Vous avez fucking rien à dire, Chris de Kane de trop de mon gars, là. Je vais tout vous ramasser, ma gueule de tabarnak. Exactement, mon Frank, exactement. Je vais tout vous ramasser, est-ce que... Là, c'est sûr, là, ça commence à faire. Moi, c'est comme mon petit gars, c'est mon fils. Là, ça, là, en arrière, la belle pancarte, là. Ça, c'est mon petit gars. Ah, ouais, ouais. Quand tu dormis, là, c'est une merde. Je ne fais jamais de live, je te ferai pas mal, c'est pas ça. Mais toi, là, va falloir que t'arrêtes. Ta team Bashin Silver, là, avec ton Gorgnoua, il a eu peur de moi. Gagne de troll, là. Gorgnoua, là, ça gagne, là, avec la Silver, puis les voisins gonflables. C'est tout de la merde. Gorgnoua, ça va, ben? Je m'en crisse du monde de même, esti. On s'est arrêté de nous chioler après, tabarnak. La Silver et les voisins gonflables, ils ont le tué. Ils savent pas quoi dire, puis ils arrivent pas de rire de nous autres, puis comment qu'ils disent ça? Le gel, on va le mettre dans le cul, esti.
D'accord avec toi, Frank. En tout cas, ça fait comme d'habitude, hein? On jase puis on s'enterre, hein? Je vais tous les ramasser un par un, c'ti! C'est ça, étoile, c'est ça, étoile. T'as raison. Je vais tous les ramasser, ces astis-là, je t'ai cœuré! Ben, regarde la Christine Silver, hein? Là, je suis pas capable. T'es pas chante en tabarnak, je te comprends. Moi avec, je t'aboute. Je vais m'organiser pour qu'elle fasse plus de l'air. Je vais me faire tatouer une cible, tu sais, là. Ah oui, c'est pas. Les voisins gonflables, là. Les affaires de même. Dans Denis pis le René, là. Crise d'attardement. Faut pas m'en parler, René, là. Oui, je travaille, moi. Oui, que je travaille. Pas ce qu'il disait pas. Il parle comme Gilles Pou, hein. Moi, je suis dans mon garage, moi. Moi, j'ai mon laptop. J'ai ma grosse tour. J'ai ma tablette. J'ai mon téléphone. J'ai 6 comptes de connect en même temps. J'étais toutes vos lives, hein, vous êtes tous deux un studio de PS. Hey, gros Chris de Dan de Rock, hein, Daniel Desrochers. Daniel Desrochers, je vais aller te rendre visite. Nino, tabarnak! Tu me fais pas peur. Mon bon Nino! Abedin encore! Puis je mesure 5 pieds de roue, là. Ben, je vais aller chez vous, man, mon tabarnak. Ah, oui? Je vais aller te voir, esti! Man, tu t'ajoutes tes ordinateurs sans dessin. Vont se ramasser dans le chemin, dessin. Mon tabarnak de bâtard, esti! Tu rends du monde malade autour de toi. J'ai pas... Attends, je vais faire une pause. Le Hobbit. Ok, on n'arrive pas à bouquer le dialogue. J'ai hâte de tuer mon Chris de Dunder Rock. Hein, mange la calice de merde de ce Dunder Rock. C'est ça, c'est une malade, tu sais. Elle l'aime d'amour. Ça n'a pas de bon sens. Ah, je vais m'allumer une cigarette, ça, je pense. En tête. C'est ça. Hey, ce manteau-là, d'ailleurs, il est à vendre dans les magasins près de chez vous, disponible chez Walmart, Zellers et dans toutes les pharmacies à proximité. Ça fait longtemps, tabarnak, que j'ai pas pété une note. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, ça va faire. Aïe, aïe. OK, bon. Hey, moi, je vous laisse là-dessus. Je vous à un moment donné, là, ça suffit, là, hein? Tuk-tuk de troll de merde. Apportez donc quelque chose d'intelligent une fois de temps en temps parce que vous avez oui. Une petite oui. Gang de dommages. Ah, Seigneur. Hey, penses-tu qu'au mois de, d'ici à la fin du mois de décembre, d'ici la fin de l'année, d'ici décembre, que le monde va se rappeler? Oh, ils ne savent pas d'allure. Mais comment qu'il a fait ça? Chris, il y a quelle autre de Batman avec? Ça n'a pas d'allure. Hey gang, est-ce qu'on s'entend ou on s'entend pas? Oui, on s'entend. OK, bon, mais OK, continue. Mais t'as une voix radiophonique, mais je me suis dit, là, on va faire un jeu. J'ai de pogner deux de mes invités sur le spot. OK. Gabou va faire du lip sync pendant que Denis va faire la voix. OK. Puis Denis, ton sujet, c'est Jean-Yves qui va le choisir. OK. Moi, tu fais les paroles, puis fucking Gabou, puis il fait un lip-sync. OK. Faut vous sortir un sketch de 30 secondes. 30 secondes. C'est Jean-Yves comme troisième invité qui nous sort... Mais bouge pas, là, je vous ramène ici. Là, comme je fais ça. OK, comment je comprends le concept. Oh, je comprends le concept. OK, c'est bon, j'aime ça, ça. Ouais, bon, on se réveille dans le temps des fêtes. Face à lui, là, faut qu'on se revienne tout, là. Non, c'est quitter le format solo. Hey! OK! Fait que c'est bon? Oui. Jean-Yves, okay, trouve le sujet. Le parrain. OK. Jean-Yves, c'est quoi le sujet? Le parrain. Le parrain. The Godfather. La mafia? C'est ça. Ouh! OK. Mais c'est faut-tu que ça ait un lien avec le film? Parce que j'ai jamais vu. Vous allez rire de moi, j'ai jamais vu le film Le Parrain. Je plate de même. Mais ça peut avoir un lien avec Le Parrain. OK, c'est bon. OK, l'écureuil tourne. OK, c'est bon, j'ai déjà trouvé. Parfait. Bon, pendant que tu penses à ça, M. Gabout, vous êtes prêt de faire le lip sync. OK. Pas d'allure. Oh, Lise. Hey, si ça n'a pas de bon sens, là. Oh, Seigneur. Comment il fait pour faire son sérieux? Il rit pas. C'est ça qui est drôle. Yeah.
quintessence de... C'est peu, c'est peu. Ce mot artistique. Hey, lui, je l'engage pour le prochain bye-bye à la fin de l'année. Ça me le prend, je le veux. OK, je te mets sérieux avant ça. Une fois que je la regarde, je l'ai posté. Oh, ça y est. OK, j'avais dit quoi d'intelligent, man? J'ai pas dit, bouge pas. J'ai des post-it, là, comment je fais pour... OK, gars, je mets une post-it ici, je ne vois plus. OK, je ne vois plus à la base. Je vous vois les troubles, là, je ne vois plus. OK, t'as mis, okay. C'était le même ouvert ce soir chez Dan DeRozan. C'est pas la division, c'est l'amour qui nous ressort. Ah, Seigneur. Un tabarnak. J'ai une vis dans la ça n'a pas d'allure. Oh, je t'aime. OK, je te jure la post-it, regarde. Ben, ce qui est le plus drôle dans tout ça, c'est que ce live-là va sûrement être diffusé sur la page à Gab demain. C'est sûr qu'il est là, là. On connaît tous ses faux comptes. Il doit être déçonnant. Ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. God. Il doit se dire « gang de sept colons ». Ben, c'est ça qu'on dépense à chez. Moi, je trouve ça très drôle. Okay, j'ai pris une photo de la post-it, là. Je sais pas, ça marche de même. Je la mets de même. Regarde, là. Ça marche quand même. Ah, mais Dan, attends, je vais faire mieux que ça. Je vais prendre une photo, un screenshot que je vais faire là à l'instant. Non, mais c'est parce que j'ai la mettre en haute définition. Une post-it physique sur mon ordi. Bouge pas, je te l'envoie en privé. Mais. Anyhow. Non, 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 mais c'est sûr, je prends une photo de Gab avant, là, de Gabou, là. Oui, c'est sûr. Hey, puis ça va devenir ta nouvelle photo de profil de Dan DeRozan pour une couple de jours. Là, on fait là, c'est le même qu'on fait ça dans le backstore. On fait craindre que le monde ne sont pas là. On prend une pause, mais on fait craindre qu'on n'a pas pesé sur le piton des commanditaires, puis là, ils nous entendent parler. OK, faut que je me mouche, faut que je pisse, faut que j'arrange ma photo. Mais on vient de la deuxième partie, c'est sûr. OK. Je peux pas arrêter ça là. Regarde. Mais, oh, hostie. Hey, Gabou. Gabou, regarde-moi à l'écran. Puis, regarde, fais-moi un beau sourire. Fais-moi un beau sourire. Attends un peu. OK. Parfait. Excellent. C'est beau. Pour revenir en normal, j'ai lu ça faire le screenshot. Je fais ça de même. C'est bon. C'est excellent. Alors, c'est, regarde, ça va passer. Ça va passer dans les archives, là. Ça n'a même pas de bon sens. Hein. Ça n'a pas d'allure. OK, moi, deux minutes, il faut que je me mouche, vous allez pisser demain. Vous allez pisser dehors, personne ne va m'entendre. Ah, puis là, la photo, là, je vais aller mettre ça en haute définition. Je suis en train de faire ça. Rien de rien, mais je travaille en même temps. Je fais ça. Venez et buvez à tous. Mais la photo est parfaite, là. C'est juste embrouillé, mais attendez, avec les logiciels que j'ai, là. Ah, tabarnak. Non, 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 ça n'a pas de bon sens. Aïe, aïe, aïe. Dan est parti bien pisser. Prenez et buvez-en tous. Ça, si. OK, ça. Comme ça, je vais l'agrandir de même. Regardez bien le résultat, ce que ça donne. Ça n'a pas de crise de bon sens. Présenter. Partager à l'écran. Ah, je peux pas, non. C'est pas grave, je vais vous l'envoyer en privé. Ou... Ah, mais je pourrais l'envoyer. Non, ça ne marchera pas plus. C'est pas grave, ce n'est que partie remise. Ah, c'est que je trouve ça drôle. Ça n'a même pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que tu vois à soir, Gabou? Tu fais petit, c'est quoi? Du cola. Du cola de chez Métro. Non, je suis là. Tu as fait un job? C'est bon? Oui, c'est bon. Bon, parfait. Il est béni, en plus. Il est béni, quoi, chose. Ah ouais. Ben oui, il est béni. OK. Quand même incroyable. Ah, oh, Seigneur. Il y a Marie-René II qui dit, Gabou, as-tu équilibré tes chakras avant? Oh, Lise. Il y en a une qui pense plus... Il y a un chakra qui penche plus d'un bord que l'autre. Oui, c'est ça. Ça y est, du côté gauche. Ça n'a pas d'allure. Bon. Ha 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 ha!
suis pas capable. J'ai de la misère à la regarder. Moi aussi, je vais mettre un post-it. Je vais mettre une voix pas fait. Mais, OK, je vais être honnête. Honnêtement, c'est la... Il est pas fou, Guy. C'est les mimiques qu'il y a. Qui peut mettre des dents ou pas de dents. La mimique de qu'est-ce qu'il fait, puis le bon moment. Juste ça, c'est drôle. Il attend qu'un regard vide pendant 5 minutes. Et... Ah! Oh, les aïe, ça n'a pas de sens. Bon, ben, on commence notre jeu. Moi, j'ai hâte de commencer. Là. Fait que là, c'est le parrain. Ben, le parrain. On n'a pas le jeu à faire. On ne l'a pas fait encore? OK, ah ben allez-y. OK, c'est vrai. Fait que là, Nagabou en plein écran. J'arrive à trouver le titre. Là, tout est prêt. Tu gargarises avec du vin. Oui. OK. OK, fait vrai, que tu mets Gabou, lui, il fait du leptil. OK, puis du leptine. Leptine. Okay. Moi et Jean-Yves, on ferme nos gueules pendant 2 minutes. Top 2 minutes. 35... Ah non, 1 minute, ça va être en non, masse. 30, 45 secondes. Halfway, okay, fair okay. Game. 45 okay, secondes, parfait. Les gars. OK, c'est bon. OK, et parfait. Jean-Yves, check les secondes, okay. Là. OK, genre, jeu le parrain. OK, c'est bon. Fait qu'on met Gabou en plein écran. Pour vrai? OK, oui. Mais ouais. Mais le petit carré blanc en bas. Ben oui. Bon matin, tout le monde. Bon matin. Ce matin, on parle dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Et aussi, on va parler ce matin du parrain. Le parrain, c'est quoi? En fait, c'est quelqu'un qui a participé à votre baptême quand vous étiez petit, au cas où que votre papa décède. Donc, ça vous fait un deuxième père. C'est quand même fucké si ton mononcle devient ton père. J'espère juste que ton mononcle, c'est pas le frère de ta mère parce que ça fait fucker en tabarnak. C'est beau. Fait que c'est un peu ça le show de matin. On va parler du parrain. Après ça, je vais vous tirer aux cartes avec ma collègue, puis les cartes du ciel. Puis je vais vous lire votre avenir, un avenir prochain. Là, ça va venir. Fait que là, matin, je bâche pas personne. Moi, j'aime ça vivre dans l'amour, dans la joie et dans la paix et dans la lumière. Batman... Is mon parrain. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission qui aura pour titre Le bâchage non merci. Au revoir. Bon. Hey, c'était cute, hein? Guy, t'as bien fait ça. Incroyable. T'es rendu mon idole. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas Guy, c'est Gabou. Gabou. Oui. Gaboucan. Vous avez pas d'allure. On n'a pas de bon sens. C'est très drôle. Mais là, demain, ça va repasser sur un direct de quelqu'un. Puis ils vont dire, Gamo, les quatre innocents, ils rient de moi. Ils n'ont pas de vie. C'est des innocents. C'est des colons. C'est des caves. C'est des ici puis des ça. C'est parce qu'eux autres, ils ne savent pas faire la différence entre une parodie. D'après moi, ils n'écoutaient pas Rock et Belzarelle, les autres jeunes. Aucun humour. Ils écoutaient Bobino, puis Le Vagabond, puis Entre Chien et Loup à la maison. D'après moi, ils écoutent encore en reprise à prise 2. Moi, je pense qu'ils boivent du cocktail Molotov. Mais il y a deux en haut. C'est pas la sniff de Camp Grill, si elle boit du cocktail Molotov. Là. Être fucking même, là, c'est pas du vin à 4 piastres et 10 de bouteille, que c'est les orteils dans la vie, c'est les raisins. Là. Come on. Ah, il prend du coke, Gab. C'est correct. Oh, j'ai pas une longue d'orteil, excuse. Comment tu disais, Jean-Yves? D'après moi, une longue d'orteil, c'est ta carrière. Gab, il prend du coke. Oh, j'ai perdu une dent. Ah, mais fais une demande de don, fais-toi un téléphone, puis on va te payer deux dents. On fait le téléphone en fin de semaine. Oh, Seigneur. Le site, ça va faire. Hey, j'ai trouvé le site. Je suis dedans contre toi. Ha 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 ha!
En tournée partout au Québec, c'est l'adresse courriel manque dedans à commercial@gmail.com. Mon passe Samuel. Ah, arrête, m'allais me faire un milkshake avec de la poudre d'insecte dans 2 secondes, si t'arrives pas, je fais ah, ah, c'est que j'ai trouvé 810 demain, c'est sûr. C'est une parodie, c'est une parodie. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais tellement ça qu'on se foute de ma gueule de cette façon-là. Pas se foutre, mais rire de même. Ça m'arrive jamais, à part de me dire que c'est foutu. Mais c'était pas assez salé. Aïe, 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 sérieusement, c'est quoi ça? C'est quoi qui se passe présentement? C'est l'horloge du jugement du 810. 810 pour Jean-Yves, 810 ouais. pour Gadou, puis 810 pour... Oui. C'est un gars-là. Ouais. 810. Oh, aïe, aïe, aïe. En tout cas, ce bout-là, là, cette séquence-là, là, Dan, il faut garder. Ben, le live va rester drôle. Là. Qu'est-ce que t'as à apprendre, man? Ah, juste ce bout-là, c'est, ça valait de l'or. Là, écoute. on part un live au ton avec Internet. Le live de Gabou. C'est pas des menaces, là. Il n'y a pas eu de menace. Il n'y a pas eu de différence. Ben non, vraiment pas. C'est un moment donné, là. C'est parce que moi, je prenne tout au premier degré. Mais parce que pas ceux qui sont dans le chat à soir, c'est drôle, hein? On est quoi? 72 personnes, tout le monde rit, puis il n'y a rien de méchant qui se passe ici. Ben au contraire, on a bien du fun. Aïe, aïe, aïe. Sacrement, il y a de la boucane chez vous. Nino qui est à côté de toi et qui boucane et tout, quoi. Ça n'a pas de sens. Aïe, aïe, aïe. Ça n'a pas d'allure. Oh, hey, sérieusement, j'ai les yeux tellement. J'ai tellement pleuré les yeux secs à cette heure. Ah, ça dilate la rate. Ça fait du bien. Une séquence incroyable. Hey, Dan, mes amis, je vais être obligé de vous laisser parce que. Travail oblige tôt demain matin, je vais aller prendre une petite douche. Puis après ça, ben c'est le salon à l'horizontale. Puis comment? Consulte partie. Ben non, hey, ça prendrait quelqu'un pour me remplacer. Là. Je suis remplaçable, là. Je suis facile à remplacer. Moi, je fais partie de. Qui va embarquer sur le live de Dan de Rock International? Ah, oh, Seigneur, ça n'a pas de sens. Vous m'avez fait tellement fait rire, là. Ça n'a aucun bon sens. Ah, c'est si, man. Oh. Sérieusement, Dan, là. Dan, ouais. Tu vas avoir regretté de m'avoir invité à soir. Qu'est-ce que c'est ça? Hey, c'est boire, OK. Ça, c'est un mix de. De qui, ça? C'est qui le chapeau d'aluminium, déjà? Il y a une histoire, mais elle suffit, hein? Oh, que je connais pas tout le monde, là. C'est qui, lui, le chapeau d'aluminium? S'il vous plaît, aidez-moi dans le chat. Hmm. Son casque de foie. Franck Pelletier, oui! Merci, Chloé. Tu sais, chose dans Ricky Bézareil, là. La 5G. La 5G. Je l'essaye. OK. Si des infidèles comme vous autres ne sont pas dignes de votre créateur parce que je suis celui qui vous communique la vérité, vous ne pourrez pas arrêter de parler 2 minutes, là. Moi, je ne peux pas communiquer avec les 5G et vous dire c'est quoi la bonne nouvelle, là. OK? Vous allez respecter, là, le gourou. C'est vrai que tu te mettes comme ça, Dan. Dou, 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 dou. Comme dans Ricky les oreilles, là. Dou, 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 dou. OK, prenez vos photos, là. C'est la première fois, c'est la fois. Prenez, vas-y, allez-y. OK, oh, je prends une photo, OK. Ah, ben oui, vous allez rire de moi. Une capture d'écran. Dou, les jambes. C'est fait, c'est beau. Viens, prends celle-là, à cette heure. Ouais, c'est ça. Okay. Capture, t'as peu, là. J'ai la capture 2, on va l'appeler comme ça. OK, puis l'autre Aster, t'as peu, parce que je ne vois plus. OK, bouge pas. De même. C'est beau, c'est fait.
pas une crampe. Oh, mets-toi ces accidents de travail. Wow. Tain, ça, c'est fait. OK, c'est bon. Je vais tout mettre ça en haute définition, je vais faire un 3 et pour je vous promets, un jour, j'aurai un casque de foil que mes okay. oreilles vont aller en dessous du casque de foil. Ah, ça va être malade. OK, Géro. Moi, j'ai ri tellement que j'ai une crampe dans la dent. Une crampe dans la dent. Ah non, t'es vraiment dû pour un live en fin de semaine, un live aux dents. J'arrive, il rit comme un chien de prairie. J'arrive, il rit comme une mienne. Oh, yeah. Hey, mets une bannière en bas, puis Marc, vous êtes... Ah non, on fera ça deux fois. Ouais, on organise un live au ton. Un live au dents. Ouais, ouais. Tu sais, l'Halloween, ça n'a pas besoin d'être juste le 31 octobre. Ben non, ben non. On est libre, on est souverain dans notre liberté de lumière, donc on choisit qu'est-ce qu'on fait. Et voilà. Oh, Seigneur. Est-ce qu'on va se faire bâcher demain sur un autre live? Mais moi, c'est pas grave, je trouve ça drôle. Moi, j'ai rien fait. Là, on va jouer. On va faire quelque chose. Je suis tanné de prendre la blonde pendant un mois. Tiens, regarde. À un moment donné, là, c'est correct. Là, c'est le printemps, Dan, t'es là. Là, y a-tu quelqu'un qui est plus bavé que moi? Un autre, s'il vous plaît. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Hey, je vous laisse, les amis. Je vous aime bien. J'avais dit 5-10 minutes. Puis là, ben, tu fais une demi-heure. Okay. Non, c'est cool. Merci beaucoup. Merci énormément. Hey, nous autres, de toute façon, on ne se manque pas. Demain, 19h30. C'est une autre estime. Avec Émilie Bolduc, ça risque d'être... Elle n'est pas facile à jaser avec. Hein. Oh, ah, tu vas voir, ça va bien aller. Moi, je vais modérer, moi, demain. Moi, vous modérez, je vais voir. OK. On s'en va demain. C'est bon. Ben, ça va, bonne soirée. Ah, ça me donne pas 400$, je ne l'invite pas. Babe! Colis! Okay. Bye bye! Alors, Gabou, c'est à ton tour. Avant qu'on se quitte tranquillement, t'as-tu des consignes à donner? T'as-tu des annonces? T'as-tu quelque chose d'usagé à vendre sur Marketplace? T'as-tu quoi pour nous autres? Je mets mon dentier aux enchères. Les enchères commencent à 10$. OK. Moi, je vais faire une offre. Là, ça a l'air, là, chez Dan The Rock International, on essaye de signer un contrat avec Jean-Yves pour la météo. Moi, Gabou, je serais prête à... Tu sais, Jean-Yves fait sa météo, puis toi, à un moment donné, tu viens deux minutes, puis tu nous dis qu'est-ce qu'il y a à vendre autour de l'île de Montréal, quartier industriel, Montréal-Ouest, tout ça. Montréal-Nord. Et sur Marketplace. En attendant, je vais des walkie-talkie. Ouais, si tu trouves des walkie-talkie sur Marketplace, tu vas nous faire une chronique là-dessus, lequel acheter, lequel pas acheter. Si t'aimerais-tu ça? Gosh, je te lance l'invitation, Gabou. Ça serait cool que, tu sais, j'essaie de me bâtir une équipe de professionnels. On a déjà Jean-Yves à Météo. On a, tu sais, ça pourrait, là, de temps en temps, quelqu'un est libre. Oh, chronique, let's go. Chronique étoile, chronique éclair. Quand je suis dans The Rock, on essaie d'être international dans le moment présent. Tu me suis? Pas de problème. Quand tu veux. Ben, je te remercie beaucoup pour être parmi nous ce soir. Je vais conclure que Jean-Yves après ça. Restez dans la boue. Et on s'en met des nouvelles. Puis, là, like la page. Share. Partage, share. Like, comment, puis envoie ta dick pic à Karine Nadeau. All right, thank you, bud. Bye, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, merci d'être là, c'est vraiment apprécié, thanks. Bon, mais Jean-Yves. Je sais pas, t'as resté sérieux après ça, hein? Non, mais non, c'est que déjà, j'ai le fucké des voisins gonflables, il est tout le temps dans mes lives, puis hey, Dan, laisse-moi parler. Déjà, il fallait que je dise avec ça. Mais là, j'ai eu la météo avec toi, qui est une première. J'ai eu Gabou. Qui était là.
C'était hot, c'était cool, c'était une aventure, hein? Quand on parle du rabbit hole, de tomber dans le trou de lapin, là. Moi, mais que j'allais accrocher ça, là. Je suis encore dans le fond, là. Faut que je sorte de ça, là. Mais bon. Mick m'a envoyé quelque chose. Ah, mais j'ai pas vu ici. J'ai vu de quoi flasher, là. Regarde, je remets le lien. Si quelqu'un veut venir encore, elle m'a pas encore donné mes sacs à poubelle. Karine, viens faire un tour, Karine. Your messenger. Yeah, okay. I'll go to my messenger, but... C'est parce que j'ai... Ah fait... oui, vous pouvez nous rencontrer dans toutes les Walmart qui sont nulle part. On va les créer. Okay, gang, je sais pas où checker les messengers. Si c'est sur la page des messengers, je peux pas checker ça quand c'est là. Ah oui, c'est Ils ont pris des photos de nous autres, je pense, des screenshots. Mec de chaîne, t'es une merde, mec. Est-ce que tu savais que c'est moi le dernier qui est assis à cet endroit? Je prenais une petite bière. Là. Moi, je ne sais pas parce que. T'es une merde, mec. Est-ce que tu savais que c'est moi le dernier? Pour toi, ok. Ça vient de se passer où? Y a-t-il quelqu'un qui est en temps réel comme ça peut me dire ça vient de se passer où, genre? C'est bon, mais ouais, j'ai checké. Ah! Faudrait que je mette une bande. Fucking 911. Diane, c'est une joke, là. Ben ouais, oui. On fait ça pour s'amuser. Il n'y a rien de personne, là. Ok, c'est pas un live. Ah, ah bon. Mais bon. Qui dit ça, c'est pas un live, là? Allô, Kevin. Fait que Jean-Yves, vas-tu revenir faire les météos avec nous autres? Ben, certain. Pour vrai? Ben oui. Tu sais, moi, des fois, une demi-heure, je fais de quoi, Jean-Yves? T'es-tu libre? Ça donne pas. Mais la prochaine fois, Tu m'envoies le lien. C'est ça. C'est juste avec StreamYard quand je fais les lives avec vraiment la page, pas sur un Facebook direct. Je sais pas comment, tu sais. Si je peux t'introduire la météo, dude, ça prend ton intro quand tu commences, quand tu finis, man. C'est dans ton contrat, man. Là, toi, Jean-Yves, avant que tu nous quittes, peux-tu nous parler? Toi, ton agent qui a booké avec Dan The Rock International pour la météo, c'est le même agent que Britney Spears, puis Crosby, qui joue au hockey pour les Penguins de Pittsburgh. Tina Turner. Tina Turner aussi, oui. Malheureusement, ben oui. Qui est partie. Ben oui, elle est partie hier. Ouais. Ben oui. Elle m'a coûté cher, elle. Okay. Là-dessus, Jean-Yves, avant de te laisser, moi j'aimerais ça que, tu sais, c'est le fun de jaser qu'on connaît. On a-tu ri à soir, Bing? C'était de voir, là, la bête. C'était de voir la bête. C'est ça qui me faisait rire, parce que c'est drôle. Mais t'as le droit de rire, t'as le droit de parler. Non, c'est certain qu'on a le droit de rire. Puis moi, j'espère là, que tu fasses des lives ou non, prends le temps qu'il faut. Garde. Mais moi, j'espère que tu vas tout le temps venir faire la météo chez nous, man. Ben oui. Mais puis à soir, tu sais, c'était cool. Attends, envoie-moi un messenger, mettons, une journée d'avance. Oui. Pour aller chercher toutes les informations pour... donner Dude, reste prêt avec moi. Comme c'est là, tu sais, ça peut te faire un mois, puis c'est le fun, puis après ça, on change, puis après ça, à l'automne, on revient avec d'autres choses. Là. Peut-être tu vas commencer à faire des compotes de fraises, est-ce que t'as poussé chez vous. Pis... Je suis bon en cuisine. Ben, je le sais, ça, je te dis, tu sais. On connaît pas encore ton taux de sucre, mais je me dis, Jean-Yves, moi, j'ai adoré, c'était le fun, c'était chill, c'était drôle. Puis... t'as toujours la parole chez nous, puis t'as toujours la parole chez vous, Jean-Yves, mais moi, je te laisse pas aller là-dessus, chum. C'est bon? OK. Fait que check la météo, ouais. Check le El Nino, la Tornado, puis les Flame Taco, parce que t'es booké pour l'été, c'est la saison estivale commence, fait qu'on va, je peux faire l'horticulture, tu fais la météo, Jean-Yves, on pourrait être une équipe du tonnerre en 2023. Attaché. Ben,
Wow. Je vais même aller chercher soit le Brésil, Cuba. Oh, ouais. Oh, quelle température qu'il fait par là, tu sais, pour nous niaiser. Longueuil. Longueuil, c'est dans le sud, tu sais. Brésil, c'est dans le sud des Québécois, mais Longueuil, c'est le sud de Montréal. Destination vacances avec Jean-Yves. Quelle crème à mettre à Longueuil Beach? Duc, dans l'intro, il y a une chaise, une belle chaise là, d'été. Ouais. Tu sais, en vacances, on est ben à ouais, vacances. Ben oui, des vacances. N'oublie pas, des vacances de construction, c'est un gros hit chez Météo Média cette année. Fait qu'on espère que tu nous montres un peu. Peut-être trouver les chiffres, combien de Québécois là, pendant ces deux vacances-là, des deux semaines-là, où ce qu'ils vont, de sortir ça. Tu sais, c'est une tower libre à toi, mon chum. Plaisir. Merci beaucoup, Jean-Yves. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Bye-bye. Attention. Dang, Longueuil. On a des fans à Longueuil, des fans à Cuba. Il faudrait que je fasse un compte cubain, man. Merci Dan Soleil et ses fourrés. Oui, c'était drôle. C'était maladroit, c'était drôle, mais, tu sais. Mais tant qu'à me faire bannir, je me ferai pas bannir, mais gang, on va se laisser sur une toune. C'est sûr, je me sors une toune. J'ouvre YouTube, là. J'avais fermé pour. Ouh! Oui, je vais mettre la soirée. Oui. Oui, c'est récent quand même. C'est un artiste que j'apprécie énormément. Mais c'est hot avec un peu cinq trash. On n'a pas été trash, mais pas partout. Et merci à Gabou. Merci à Denis. Merci à Jean-Yves. Merci à tout le monde. C'était drôle. Mais... Three, two, one. On est revenu. 1, 2 testing. Non, Anne, moi non plus. C'était hot, c'était digne des âges, je ne savais pas. Ça, c'est le post-it à Gabou. Pendant qu'on écoute Jean Leloup, Paradise City. Post-it à Gabou. Hey gang, ce post-it-là a servi pendant ce live-là. Enfin, dans le... An auction for that. Post-it, that's Gabou. A Gabou. That's not good. Léger, JP, Chantal, Sylvie, Diane, tout le monde, Denis, tous nos invités. C'est bon, Diane. Diane. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là. C'est vraiment cool. Demain soir, n'oubliez pas, avec les voisins gonflables, à 7h30, à Québec-Voltuque, on va parler, débattre sur Tour-Don. C'est pas un débat, c'est deux personnes qui changent de thé. La monétisation, les dons. Je vous ai donné une saveur ce soir avec Pascal-Ville et Albert. Il y a déjà un an de ça, pour ramener les gars. Juste pour mousser. Pour mettre un peu d'épices pour demain, c'est un préambule, un certain point que j'aimerais amener. David Fulham, Annie Pelletier. Merci d'avoir été un grand nombre, c'était cool. Et j'ai quoi? Je vais mettre un autre tour après ça. Hey, chien, mais les gars. Lisette, merci Lisette d'être là. Je cherche une dernière étoile. That's it. It's a crack.
Gang, dernier tune, on se rappelle de ça. Les premiers bullshitters, des personnalités qui s'inventent, décider ça. Okay. C'est un ange, je me suis mieux. Mais tu sais, des personnalités qui s'inventent. La personne avait déjà passé sur Tout le monde en parle. Puis elle avait compté qu'il était héritier de quelqu'un qui avait un. Regarde. OK? Ça a tout à fait le même. Des archétypes. OK? Dernier tune. Après ça, on se laisse, promis. Helmut Fritz from Switzerland. C'est une parodie, gang. OK? Je vais changer de température un peu. Oui, on entend. Forget you, gang. Last tune, that's it. C'est le gars. On pensait à grenier, ce truc-là. Oui. Là, m'entendez-vous? Est-ce que j'ai coupé la musique? M'entendez-vous maintenant? Testing, testing, 1, 2. Entendez-vous? Oui. OK, OK, désolé, la musique est partie. Bon, mais ben, voulez-vous que je la chante? Non. Fait que gang, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous laisse. C'est cool. Non, je l'enlève pas, là. Dans le nord d'Eléo puis Chris, là. OK, c'est de valeur, j'ai pas entendu la musique. Ah, mais tantôt, vous avez entendu l'autre tune avant ça? Right? La tune que j'ai jouée avant, Jean Leloup, vous l'avez entendu? Paradise City? Ou ça, deux tonnes, je danse seul là-dessus. Non. Oh, ouais. Oh, non. Oh, ouais. OK. Non, mais facile live. All right. Bon, ben, gang, bonne soirée. Merci à tous. Énormément. Je vous laisse là-dessus. Petite musique à la fin, là. Petite musique. Tu nous oublies, c'est l'heure. Fais-nous prendre l'air, tu veux bien? Oh oui, Pépin, la bulle, la bulle. Bulle, envole-toi. Hello, who are you? My name is Dunchez. I'm from Wolverhampton. I am 60 years old. What? And I'm here to do my thing. You're gonna sing, right? Yes, Simon. This is an original song called Wiggle Wine. Because wiggle. Wiggle Wine. Wine. Yes! Woo!
Wiggle Wine. Good luck. Let's do it, Don Chez. Go on, Don Chez. All right. Cet homme est d'âge mûr, chômeur, endetté, gras, laid et sentant le swing, est à la recherche d'une compagne jeune, jolie, les cheveux blonds coupés aux épaules et financièrement à l'aise, en vue d'une relation stable et, sait-on jamais, un mariage. Il se dit tendre et affectueux, calme et sincère, mais il ne faut pas ambitionner, car, dit-il, j'ai tendance à bûcher. Lorsque je suis contrarié. Aventurière, s'abstenir. One resident describes her horrifying experience when she first realized the complex was on fire. Well, I woke up to go get me a cold pop, and then I thought somebody was barbecuing. I said, oh Lord Jesus, it's a fire. Then I ran out, I didn't grab no shoes or nothing, Jesus. I ran for my life. And then the smoke got her. I got bronchitis. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. Woke up to go give me a cold pop. Then I thought somebody was barbecuing, barbecuing, barbecuing. I said, oh Lord Jesus, it's a fire. Then I ran out, I didn't grab no shoes or nothing, Jesus. I'm running for my life. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. I said, oh Lord Jesus, it's a fire. I said, oh Lord Jesus, it's a fire. I said, oh Lord Jesus, it's a fire. Jesus, 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 it's a fire. Oh Lord Jesus, it's a fire. I said, oh Lord Jesus, it's a fire. I said, oh Lord Jesus, it's a fire. Jesus, 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 Jesus. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. Fait que là-dessus, gang, c'est comme, tu sais, dans les films des Marvel, ils arrivent à la fin, il y a des previews. Je vous laisse la dernière tune, c'est mon casting que je mets au début, le chat Anonymous. Merci beaucoup d'avoir été là. 19 personnes encore. Merci beaucoup, on se reprend bientôt. Demain, ne pas manquer.
avec les voix ingonflables. Une discussion avec Emily. Merci beaucoup. Surprise. Il reste 9 personnes. Regarde, vous êtes encore là. Fait que, tu sais le film Gladiateur, Gladiator avec Russell Crowe. Je connais par cœur en anglais. Une petite scène que j'adore. J'ai juste à partager, il reste 8 personnes. Good. Celle-là. Vous pouvez juste l'entendre. Bonne soirée.
Je vous l'ai tous dit à vous autres, fourrez-vous dans le cul votre mouvement. Il n'y en a pas de mouvement. Il est mort, le mouvement. Moi, depuis que j'ai reçu ma console, je suis fou comme de la merde. Je peux passer mon direct debout, on peut porter le micro ici. Ah oui, mais c'est ça, t'es pas habitué hein, d'avoir un micro de même devant ta bouche? Non, je suis pas habitué du tout à part ça, mais on dira pas ce qu'on a fait dans le sud, les niaiseries qu'on a dit puis tout ça, fait que... Ah, les gens adorent ton micro, ils le trouvent très beau,
Et puis, il y en a même un qui dit, je le trouve sexy. Je voulais dire le micro. Ouais, c'est ça. J'ai supposé que c'est ça que ça voulait dire aussi. Ben, écoutez, je le trouve très sexy aussi. Je suis pas habitué, comme dit Sam, de parler avec un micro. Alors, je m'habitue. C'est nouveau. Fait que, est-ce que ça me donne une voix plus sexy, mes amis? C'est ça l'important. Une voix plus chaude, mielleuse. Non, mais c'est incroyable. Des déchets de la société. Là, on est tanné parce qu'on va sortir des réseaux sociaux, nous autres, graduellement. Vous avez un problème mental, puis décollissez de la Fondation, décollissez de Stéphane Bell, on ne veut plus vous voir la face. Êtes-vous capable, tabarnak, de comprendre ça?